Bonjour Victoria. Allez, Thierry. Alors on est toujours en pleine forme, donc on est toujours en live. Et J'espère bien. puis surtout aujourd'hui, on se refuse à rien puisqu'effectivement on fait carrément péter les moyens de prod puisqu'on n'est pas juste deux, mais on est carrément trois. C'est-à-dire on a notre invité qui est visible. Voilà, De donc on qui il aura. s'agit? Alors aujourd'hui, il s'agit d'Étienne Français, fondateur et CEO d'Étienne Étienne, l'agence genevoise qui a déjà 25 ans. Donc ça, c'est franchement sur le marché, c'est rare, donc chapeau. Alors, on voit notre Oui, nouvel il est à l'antenne. invité. Bonjour, bonjour Étienne. Voilà. Bonjour, je ne sais pas si vous me voyez. Oui, ça fonctionne très très bien. Voilà, on est tous les trois à l'écran et puis ben aujourd'hui on va comme dans tous les lives de Comin Mag à 15h. Avant de découvrir le terme d'aujourd'hui, je vous rappelle que vous avez le droit de liker, vous avez le droit de partager, vous avez le droit d'interagir, vous avez le droit de poser des questions, on se fera une joie d'y répondre. Et si vous loupez ce live, vous avez le droit de le partager pour le proposer à d'autres, à vos ennemis, à vos amis, vos copains, collègues, pour qu'ils puissent eux aussi profiter de ce rendez-vous qui se veut maintenant journalier du lundi au vendredi. Alors Victoria, de quoi on va parler aujourd'hui avec Étienne Français? Aujourd'hui, on va parler de publicité et puis on va aussi un petit peu focuser sur comment certains annonceurs ont surfé sur la vague du Covid. On a des exemples avec Étienne. Mais d'abord, on va demander à notre cher ami comment s'est passée cette période de confinement pour ton agence. Ah ben, ça a été un choc, un petit peu comme, je pense, comme pour tout le monde. Donc, la première étape, c'était peut-être la plus, comment dire ça, la plus prenante. Et puis, c'est celle où on réfléchit pas, quoi. En fait, il faut faire, il faut déménager, il faut trouver des astuces et il faut se confiner. Voilà, ça a été fait en quelques jours, dans une agence de com. On a quand même la chance d'avoir des métiers qui permettent facilement, disons, le fait de pouvoir travailler à la maison, de pouvoir se déplacer, et puis d'être ailleurs. Tu avais la politique de faire une journée à la maison ou des trucs comme ça, de home office dans l'agence ou pas du tout? Alors, c'est une politique qui était assez peu utilisée. Elle était utilisée par une personne qui s'occupe chez moi des sites internet, qui a un enfant et qui s'occupe de façon alternée de la garde de l'enfant. Et c'est vrai que quand il avait son gamin, de temps en temps, il disait je travaille depuis chez moi. Donc c'est une possibilité qui existe, mais que les gens utilisent assez peu. J'ai l'impression que bon, voilà, c'est l'agence, elle est construite comme une immense table de banquet. Je ne sais pas si vous la voyez, je sais pas si je montre comme ça et peut-être qu'on voit. Ah oui. Voilà, Une voilà. seule table, exact. Donc c'est une immense table de banquet et on est tous là autour. Et je crois que les gens se sont habitués un peu à cette espèce de convivialité ou à ce côté, disons, à cette émulation de groupe. Donc, le fait de travailler en télétravail, est-ce que ça a été, c'est un plus, je dirais, dans cette brainstorming, cette synergie de brainstorming, ou finalement, ça n'a pas apporté un. Disons, c'est pas un modèle que tu garderas par la suite. Alors c'est peut-être un modèle qu'on gardera pour justement quelques moments, pour peut-être un jour par semaine ou deux, je ne sais trop. Mais je pense qu'il y a vraiment des moments très très précieux dans une agence qui sont ceux de brainstorming, qui sont ceux d'échanges directs. Voilà, une personne dit quelque chose, ça fait remonter autre chose à une autre. Et je crois que ça, c'est des moments avec le télétravail qui sont très difficiles. Moi, j'ai assisté à pas mal de séances en ce moment avec justement ces systèmes Zoom et tout. En fait, c'est des séances qui me fatiguent deux fois plus ou trois fois plus qu'une séance normale en live avec quelqu'un. Je sais pas, il y a le fait qu'il faut être très attentif, il y a le fait que les échanges sont quand même un petit peu standardisés et pas très normal. Et je trouve que c'est moins propice à la création. Donc ça veut dire que c'est pas forcément quelque chose qui va perdurer après dans le mode de fonctionnement. Toi, tu as vraiment mis en place une solution, on va dire, provisoire pour après peut-être revenir à des fondamentaux. Le coup de la table, d'ailleurs, ça nous fait penser à un autre interviewé, hein, c'est l'agence, d'où l'agence, qui a aussi un long bureau, comme quoi les bonnes idées se répliquent d'un canton à un autre. Ouais, mais écoutez, c'est en fait un peu une espèce de grand desk où les gens viennent, ils participent comme ça à l'agence. Notre agence, elle est
pas très grande en termes de volume, parce qu'on a préféré faire le choix d'avoir une arcade et par contre d'être complètement ouvert sur l'extérieur. Donc en plein été, je peux complètement ouvrir un petit peu comme en magasin en fait. Et j'ai une terrasse. C'est la rue, elle est piétonne. C'est la rue Saint-Joseph à Carouge. Et on travaille à moitié dedans, à moitié dehors. Donc on a déjà un petit peu ce côté un peu libre et je dirais un petit peu presque comme à la maison, quoi. J'ai toujours eu envie de créer un endroit qui était un peu comme à la maison ici. Enfin, alors je ne sais pas si mes employés le ressentent de cette manière-là, mais on ne vient pas vraiment au bureau, on vient un peu aussi un peu à quelque part chez soi et dans un lieu sympa qui nous amène aussi quelque chose. Alors pour revenir un petit peu sur l'historique du confinement, une fois que tu avais installé ton agence, comment ça s'est passé avec tes clients? Quelles ont été les premières réactions? Est-ce que tout de suite ils ont dit on arrête tout, on bloque tout, on attend, on ne dépense pas un centime? Ou au contraire, c'était continuer à travailler sur les projets qui sont lancés? Bah, alors, ça dépend vraiment des clients. Nous, on a quand même la chance d'avoir certains clients institutionnels, d'abord pour lesquels peut-être qu'il n'y avait pas forcément un résultat à avoir tout de suite, mais sur lesquels on travaille sur des stratégies à plus long terme. Hein, ceux-là, ben, ils continuent. Par exemple, on travaille pour le canton de Vaud sur une stratégie assez à long terme sur les économies d'énergie. Donc, ce travail continue. Et puis, pour d'autres clients, par exemple, comme le Pédibus, qui vraiment sont liés, je dirais, à une activité quotidienne avec les enfants, où on amène les enfants à l'école. Ben, quand l'école s'est arrêtée, on s'est dit, mais quoi faire? Et en fait, on n'a pas attendu que le client soit venu vers nous, on a proposé au client une idée originale de faire une espèce de ribambelle, enfin une espèce de pédibus à la maison, donc de passer de la chambre à coucher en passant par la salle de bain et la cuisine pour aller en fait à l'endroit où ben, ils vont faire les cours à la maison. Et ça a beaucoup plu au client et du coup il l'a repris, il a fait une newsletter avec en plus il a rajouté toutes sortes de conseils de jeux pratiques à faire à la maison avec les enfants. Alors ça, c'est des choses qui vraiment nous ont bien motivés. Et puis c'est peut-être aussi une façon pour nous de peut-être de créativement on peut conjurer le sort. C'est aussi quelque chose avec lequel on n'a pas envie de faire de l'argent. Enfin, cette création-là, par exemple, on l'a vraiment offert aux clients en se disant voilà, c'est un moment où un petit peu difficile pour tout le monde, donc c'est cadeau, c'est une idée qu'on a eue, on vous la donne, quoi. À propos de clients, excuse-moi Victoria. Non, parce que maintenant on n'a plus les mêmes trucs qu'avant. Oui, là, maintenant ça bouge, ça pulse, regardez, c'est incroyable. À propos de clients, est-ce que tu as vu une sorte de compréhension ou à l'inverse de changement par rapport au contact avec ces fameux clients? Comment ça se passe dans le travail de tous les jours, puisque tu as l'air de privilégier le contact plus direct, plus humain. Quels sont les constats sur lesquels tu as pu atterrir avec ben justement cette distanciation sociale, cette impossibilité d'aller leur serrer la main, d'aller à leur rencontre ou de faire des meetings? Alors, à la fois, ça nous a rapprochés, enfin, ça nous a éloignés, je dirais physiquement, mais à quelque part, ça nous a rapprochés parce qu'on est en train de vivre quelque chose ensemble, quoi, en commun. Je dirais, on est un peu dans la même mouise, et c'est ensemble aussi qu'on va un peu sortir de cette mouise. Et ça, c'est déjà le premier aspect. Et le deuxième aspect, je trouve que ça était assez positif par rapport à la responsabilisation de chacun. J'ai l'impression que même aussi au sein de l'agence, c'est devenu moins hiérarchique. C'est-à-dire que vraiment, quand on est en contact comme ça avec ces moyens électroniques, on va directement vers la personne qui va faire le travail ou qui est responsable. Donc, au contraire, je trouve que ça a un peu rapproché certains clients avec certaines personnes de l'agence, peut-être qui passaient plus par un intermédiaire comme moi, etc. Et là, il y a vraiment, ça privilégie le contact direct. Et j'ai trouvé que c'était des contacts ben, plutôt bienveillants, plutôt dans l'idée de ben, on tire tous à la même corde et puis on fait au mieux. Concrètement, cette, je dirais, la phase vraiment de confinement la plus forte, elle va durer plus ou moins un mois. On arrive déjà mi-mai à la fin de, enfin un mois et demi, on arrive mi-mai à un début de vie normale. Pour ton agence, ça, je veux dire, cette période-là, elle aura été
Tu auras perdu de l'argent, tu auras perdu des clients, ou est-ce que tu as réussi à en trouver d'autres? Comment, ou finalement, tu penses que sur une année, si on prend l'année 2020, globalement, tu vas lisser ce que tu aurais peut-être perdu pendant ce mois et demi? Ben ça, c'est la grande question. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est encore un petit peu sur le petit nuage ou sur l'excitation disons, de ce confinement. On est tous tendus, on est tous très orientés. Il y a quand même, ça, il faut quand même le dire, à Genève, c'est mis en place une structure d'aide pour les entreprises où j'ai pu mettre en chômage partiel l'entreprise. Ça a duré 3 jours et ça marchait. J'ai aussi pu demander un prêt qui correspond à peu près à 10% du chiffre d'affaires de l'agence. Je crois en 3 jours, le compte était ouvert et l'argent est dessus. Donc j'ai l'impression que dans l'immédiat, il y a, je dirais, une connivence avec les clients. Deux, il y a l'assurance quand même que dans l'immédiat, ça va fonctionner financièrement. C'est pas ça qui me fait peur. Moi, vraiment, ma grande crainte, c'est l'après. Il y aura vraiment je dirais presque, je pense, en blues de l'après, où lorsqu'on sera déconfiné, on se dira, quoi? On attendait tellement ce déconfinement, so what? Et c'est ça le déconfinement. Parce qu'en plus, le déconfinement, il sera vraiment par palier. Ce sera pas immédiat, ce sera pas comme C'est à la pas la fin de fin la de guerre où tout le l'épidémie. monde va faire la fête dans la rue et acheter plein de cadeaux à leurs amis, etc. Ça va se faire vraiment tout doucement. Et là, je pense que d'une part, la tension va descendre, les aides vont aussi un peu baisser. Le moment un peu sympathique où tout le monde tire à la même corde va aussi peut-être un petit peu s'effiler. Peut-être qu'il y aura même des moments un peu rudes où peut-être que les gens vont un peu se reprocher certaines choses. Et moi, je crains vraiment plutôt les mois à venir que les 2 mois qui sont là tout de suite, là, maintenant. Je pense qu'il n'y a pas trop de problème. C'est vraiment après. Tu penses que il y aura des campagnes qui vont se faire, je veux dire, il y aura d'autres investissements publicitaires où, comme on l'a toujours vécu au moment de crise, le premier poste qui saute, c'est la communication. Donc, on stoppe tout ça et on va s'occuper d'autres, on sera peut-être plus sur de la promo en magasin ou sur des choses plus marketing que communication, qu'on voit souvent comme un luxe, qu'on s'offre en plus. Toujours cette partie-là a toujours été. Même si on peut aujourd'hui avoir des datas, mais elle est toujours perçue comme quelque chose qui est un peu en trop, quoi, en plus. On se fait plaisir. Ouais, ben, je te comprends bien. C'est clair que le réflexe de se retrancher ou le réflexe d'utiliser des moyens internes, de plus trop faire appel à une agence ou bien de bricoler quelque chose avec le service interne, le réflexe, il sera certainement là. Après, il y a aussi pas mal de produits qui se vendront pas très bien. Alors peut-être que voilà, on va se dire aussi pour ces produits-là, il va falloir faire de la communication. Il faut quand même accompagner la vente de ces produits. Mais il y a certains produits, à mon avis, qui vont pas se vendre du tout. Enfin, c'est-à-dire où ça sert même à rien de faire de la com. Des produits inutiles ou de très grand luxe. J'ai encore lu un article aujourd'hui où vraiment les gens qui sont dans le grand luxe se posent vraiment des questions sur les produits à mettre en avant. Donc soit c'est les entreprises ont une faculté de résilience assez grande et puis peuvent très vite proposer une gamme de produits, je dirais, plus abordable et qui soit plus dans l'air du temps. Et à ce moment-là, les agences pourront accompagner la sortie de ces produits parce qu'il faudra bien le communiquer. Soit, effectivement, il y a des pans d'activité qui n'auront plus de communication parce que c'est des pans qui vont s'arrêter et il y aura, je pense, un petit moment de flottement. Ça, j'y crois. J'ai vu certains, ça, dans les grandes craintes, c'est le bradage, c'est-à-dire la promo généralisée sur énormément de biens qui ne se sont pas vendus. Donc, une confusion très difficile pour les marques qui arrivent avec de nouveaux produits, d'amener un nouveau produit alors que ils n'arriveront pas à concurrencer tous les autres produits qui seront simplement soldés. Des soldes énormes, et là, ça va créer aussi une confusion auprès du consommateur parce que finalement, quand on solde trop, on a toujours l'impression que la marque, elle se mettait de l'argent dans la poche et que finalement les prix étaient faux. Donc, et là, on pense qu'il va y avoir un bradage généralisé. Qu'est-ce que tu en Oui, penses? mais je suis un petit peu de ton avis aussi. C'est-à-dire que, en plus, c'est des soldes qui seront certainement, au niveau communication, pas, comment dire ça, un peu hard selling, où il n'y aura pas besoin d'avoir une agence très créative pour les faire. Et j'ai bien peur que voilà, que les prises de parole aujourd'hui sur des valeurs,
aujourd'hui, c'est clair qu'aujourd'hui, on est en pleine crise. Donc, les annonceurs font cet effort de prise de valeur, de prise de position sur les valeurs. Mais dans 2 mois ou dans 3 mois, quand ils seront déconfinés, c'est fini tout ça. C'est-à-dire qu'ils vont certainement plus faire des campagnes sur leurs valeurs, mais sur l'écoulement de leur stock. Et là, ça va être essentiellement, à mon avis, du Google, des choses en ligne, de la promo et du prix, quoi. Je viens de passer juste une news il y a 1 heure sur le secteur de l'aviation. Leurs investissements publicitaires ont chuté de 99%. C'est juste hallucinant. Donc c'est dire que le secteur ne communique plus. On sait que Swiss avait annoncé qu'ils redémarreraient à peu près 2% de leurs vols. Donc tout le secteur du tourisme, par exemple, pour parler de ce secteur, est complètement bloqué peut-être pendant plusieurs Il y mois. a même Donc, une intéressante étude lancée par la HSSO voilà. du Valais qui essaye de sonder le terrain auprès des Suisses pour savoir qui va penser ces vacances. Il semblerait que moins de 10% de la population soit vraiment encline à se poser cette question. Donc, clair et net, je pense que les vacances, c'est une notion qui va un petit peu, comment dire, prendre son temps à revenir. Hein. On voit qu'il y a des secteurs qui vont devoir complètement se réinventer parce qu'ils n'ont plus du tout d'activité ou très peu. Le C'est ça. tourisme, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire pour parler de tourisme aujourd'hui? Ben nous, par exemple, on accompagne le TCS Voyage, qui est l'agence de voyage du TCS, qui est spécialisée, je dirais, dans les voyages de groupe, de qualité, des petits groupes, mais qui font aussi beaucoup de voyages, j'en sais rien, au Vietnam, etc. Et ben, la question stratégique, là, on en a vraiment parlé longtemps avec le client, c'est de se dire, mais comment réagir pour les voyages après le Covid? Alors, une des premières choses, c'est qu'ils ont mis actuellement tout leur staff sur la construction de nouveaux voyages qui n'utiliseraient pas l'avion, qui seraient en groupe encore plus petit. Et qui serait vraiment, je dirais, quasi très local, par exemple en Suisse ou éventuellement un petit peu en France ou comme ça, mais enfin, ils ont de rester vraiment soit en Suisse ou assez localement en Europe et qui pourrait reprendre un peu ses valeurs, je dirais, plus humaines, plus aller à la rencontre des gens, aller j'en sais rien, à la rencontre dans vignerons, dans producteurs, faire un tour, je sais pas, dans lac et ce genre de choses. Alors voilà, c'est clair que c'est peut-être des vacances qui sont un peu, je dirais, intermédiaires, en attendant de pouvoir relancer l'activité. N'empêche qu'ils se sont donné comme objectif de mettre sur pied une vingtaine de voyages comme ceci pour septembre. Ça fait penser au concept singapourien des staycation, contraction de stay et vacation, C'est c'est-à-dire ça. de faire des vacances là où on se trouve pour pourquoi pas profiter du décor qu'on a à portée de la main. Oui, c'est intéressant. Effectivement, je pense que c'est une Et belle alors, tout le piste. challenge, ça va être comment produire des voyages qui arrivent à faire quand même vivre une entreprise comme le TCS Voyage ou qui arrivent à nourrir les gens qui organisent le voyage. Et puis notre challenge à nous, ça va être de trouver une communication qui attire le public à s'inscrire à des voyages comme ça. Il y a d'autres secteurs aussi, tout ce qui est alimentaire, la restauration, ça aussi, ça va être très difficile de ramener des gens dans des restaurants alors que on nous prédit quand même disons, des règles d'éloignement jusqu'à la fin de l'année. Donc, on voit tout l'événementiel aussi. Enfin, il y a quand même énormément de secteurs qui vont, je veux dire, qui pourront plus communiquer de la même façon. Est-ce que tu penses, toi, quelles sont les valeurs qu'on retirera de ce moment collectif qu'on a vécu? Certains pensent que finalement, on ne gardera rien, on reviendra à ce qui était avant, ce qui prévalait avant et que finalement, c'est un épiphénomène. Ou bien, si tu penses que quelque chose restera, qu'est-ce qui peut changer? Et quels sont ces trends-là? Moi, je pense que ça va être selon les secteurs. C'est-à-dire que certains secteurs vont pas forcément bouger, vont rester pareils. C'est des produits qui sont tellement connotés que voilà, c'est des produits qui vont pas bouger, qui vont essayer de retrouver leur place qu'ils avaient avant, ou c'est peut-être même, ils ont peut-être même pas perdu de place. Et puis d'autres produits,
eh bien, vont vraiment profiter, je dirais, de cette réflexion pour amener, je dirais, pour amener des nouvelles valeurs. Pour donner un exemple, j'accompagne le canton de Vaud dans une campagne sur l'économie d'énergie, et c'est clair que je pense que cette période va nous donner un coup de pouce pour amener ces nouvelles valeurs, ou pour justifier, ou pour montrer finalement l'urgence et la nécessité de faire des économies d'énergie. C'est amusant que Prends dans ce... l'exemple, je ne sais pas, dans un fameux chocolat en forme d'œuf, etc., qui a fait plein de publicité à Pâques durant le Covid et le confinement. Ils n'ont pas changé d'un iota leur communication. Et je ne sais pas s'ils la changeront, je ne pense pas. C'est impossible. En plus, c'est des produits qui sont tellement empreints de ce qu'ils sont qu'ils vont pas. Je veux dire, le fait je pense que ce serait une erreur de vouloir mettre du convivial partout, de l'amour dans tous les produits, je sais pas moi, des valeurs humanistes partout. Je veux dire, il y a certains produits qui s'y prêtent, d'autres pas. Il y a quand même certains produits, il faut qu'ils assument ce qu'ils sont et ils resteront ce qu'ils sont et c'est tout, quoi. C'est amusant parce qu'en fait, avec Victoria, durant ces Comin Mag Live, on a essayé de recenser les annonceurs qui avaient changé leur fusil d'épaule pour adapter leur campagne. J'en ai trouvé un troisième. C'est un célèbre opérateur téléphonique. C'est ça, Alors, ce qui c'est m'a un petit ça. peu gêné, je vais poser la question à notre publicitaire, au spécialiste. Ce qui m'a gêné dans cette publicité, c'est que j'ai vu des extraits d'internautes, de vidéos piquées sur le web, pour enrichir un spot publicitaire pour un opérateur national, on n'a pas besoin de le citer comme ça, pour y aller de sa bienveillance. D'ailleurs, il faut mettre un certain moment, il y a une jolie phrase, une voix off, ça dure, ça dure, ça dure, c'est une longue pub, et tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est l'opérateur national qui s'est fendu d'un spot pour nous souhaiter le meilleur, qu'on prenne soin de nous, mais voilà, qui rappelle... À son bon souvenir qu'on peut utiliser ses services. Maintenant, la question qui fâche, ont-ils le droit ou est-ce que c'est bien fait c'est judicieux d'aller piquer des vidéos faites par des internautes eux-mêmes pour promouvoir un tel service, un tel produit? Oui, alors je l'ai vu. Il se trouve que par hasard j'ai vu et j'ai même reconnu ces bouts de vidéos qui tournent partout. Bah, de toute façon, aujourd'hui, s'il faut vite faire un spot, c'est très difficile, hein. Il y a que les banques d'images ou il y a que les stocks qu'on peut pas tourner aujourd'hui. Donc, je pense qu'ils se sont trouvés un petit peu devant ce même problème de se dire, comment je réalise? Peut-être qu'un petit avertissement ou peut-être qu'une petite belle phrase avant ou peut-être que aurait été nécessaire de dire, voilà, vos productions durant ce confinement étaient, enfin voilà, vos belles productions, nous les assemblons ici pour vous remercier. Enfin, ils auraient peut-être pu trouver, disons, une phrase qui introduit la chose plutôt que de simplement je dirais les repomper comme ça. Oui, mais comme justement ces internautes, si tu veux, ils utilisent ces supports pour parler avec tout le monde, avec leur communauté, le principe est justement retweetez-moi, repostez-moi, rediffusez-moi. Donc finalement, ça n'appartient à personne. Et on vient aujourd'hui sur le web, il n'y a que les photos qui sont vraiment contrôlées. Quand on vole une photo d'une banque d'images, alors là, il y a des bots qui viennent vous trouver. Mais tout le reste, que ce soit du texte ou que ce soit ce genre de vidéo en user-generated content, elles n'appartiennent à personne. Il n'y a pas de règles. Et là, on le voit bien. Et les règles partent encore plus en éclat en ce moment, où dans l'urgence, on a l'impression qu'on a le droit de tout faire, de tout partager, de tout prendre. Pas mal de journaux sont devenus gratuits en disant, avec la bonne intention de dire, pendant le Covid, je vous rends service. Mais au final, je me demande si ça ne va pas se retourner, c'est-à-dire le fait justement de ne plus rendre payant ces services, le fait de partager à peu près toute info sans la contrôler, sans regarder s'il y a des droits, et même ce grand opérateur qui reprend un petit peu toutes sortes de productions sans trop s'en soucier. Je pense que pour une agence de com comme la nôtre, qui vivons essentiellement quand même sur la création et sur la vente de la création, donc sur la valorisation de ce qu'on apporte, ça va être encore plus difficile de vendre après quelque chose, parce qu'en disant ah mais on n'a qu'à prendre, ah on n'a qu'à
à les faucher et voilà. Je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose qui se passe. Et ce qui se passe aussi, c'est que les réseaux sociaux aussi ont des problèmes. Les plateformes sociales ont aussi des problèmes de revenus publicitaires. Donc elles sont aussi en train de changer les règles du jeu. Ce qui était payant l'est de moins en moins. Et il y a une confusion aujourd'hui parce que tout le monde est en train d'essayer de trouver des moyens pour survivre. Et on est en train de s'apercevoir que ces plateformes ne sont toujours pas rentables, même si elles sont capitalisées à des milliards en bourse. Et on a bien un problème, c'est-à-dire tout ceci ne fonctionne pas parce que tu as une partie de l'économie qui fonctionne, qui n'est pas rentable, qu'on passe à une partie de la vraie économie qui, elle, est de moins en moins rentable, mais qui repose vraiment sur des relations encore réelles. Et donc, fatalement, un break comme celui qu'on vient de vivre, eh ben, accentue tous ces travers, et on voit bien que s'il n'y a plus de publicité, eh bien une grande partie des services qui vivent grâce à la publicité vont simplement disparaître. Et là, vraiment, c'est le nœud du problème, c'est-à-dire où on se met tous d'accord et on fait en sorte que tout le monde, tout l'écosystème puisse vivre, ou alors on va vraiment avoir des problèmes et ne survivront que les plus grands. Et les plus grands Suisses ne pourront pas survivre parce qu'on n'a pas la masse critique dans ce pays. Moi, C'est j'ai ça. crainte parce que s'il n'y a plus d'annonceurs suisses, il n'y a plus d'agences non plus. Donc, Ouais, tout à fait. et ça, c'est quelque chose qui doit être compris par tout le monde. Mais malheureusement, cette idée fausse de la gratuité comme quelque chose de nécessaire a poussé aussi la presse à essayer de devenir de plus en plus gratuite. C'est une Ouais. grave erreur, hein. Quel conseil on pourrait donner à un annonceur comme cet opérateur de faire autrement? On va pas l'accuser de plagiat. Dans le cas précis, on connaît pas les tenants, les aboutissants. On est tous conscients qu'effectivement, c'est très très difficile, c'est très compliqué de produire avec cette période de confinement. Mais quelle piste on pourrait lui donner pour un petit peu lui attirer l'attention, pour pas se mettre à dos, eh bien, les professionnels de la pub et puis aussi surtout les auteurs de ces images. Bon, déjà ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire peut-être qu'ils auraient pu adapter leur création en indiquant qu'il s'agit là je dirais, de la production de gens. Enfin voilà, ça ne veut pas dire que Les c'est beaucoup remercier, mieux, merci. mais au moins remercier. Voilà, vous avez été productif, vous avez vraiment partagé, il y a rarement eu autant de production, etc. Eh ben on fait honneur à cette production, on la passe. Quitte d'ailleurs on aurait très bien pu dire aussi qu'ils ont calculé une espèce de prix moyen de droit qu'ils donnent sous forme de don à une association, enfin je sais pas, enfin on peut aussi faire ce genre de choses. Et puis après, ben pour la suite, ce sera vraiment ben, à leur agence de trouver une façon créative. De rester quand même dans cette idée, ben voilà, puisque là, c'est leur positionnement ou le positionnement qu'ils essayent d'avoir maintenant, c'est vraiment d'être un organisme qui nous met en lien, qui est là pour partager des valeurs et ce genre de choses, plutôt qu'un organisme technique. Ben, à ce moment-là, il s'agira de trouver une création propre, mais quand on pourra commencer à sortir, quand on pourra commencer à filmer. Mais ça, c'est aussi un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas eu de nouveaux spots parce que c'était impossible de les faire, tout simplement. C'est ça. Et ça, c'est pour ça qu'on a vu aussi tourner des spots qui n'avaient aucun sens par rapport au contexte, mais où soit ils avaient été réservés et donc ils continuaient à tourner sur la planification média, soit bah, simplement on n'avait pas d'autre matériel à passer, quoi. Exactement. Ouais, de vite faire des. En fait, c'est vite faire des montages avec ce qu'on trouve dans les stocks. Mais bon, mais d'ici à peu près, je sais pas, moi, en moins, on va pouvoir recommencer à tourner, d'après ce que j'ai compris, non? Ouais, je pense. Enfin, je pense autour du 11 mai, ça devrait être plus ou moins fini, quoi. On va rester très prudent sur les Parce que tout ça, estimations de honnêtement, date. je ne raconte pas quand on fait de l'événementiel, c'est encore pire, ce genre de truc, c'est Mais hyper de toute compliqué. façon, je pense qu'avec le temps, on va bien devoir trouver une façon de fonctionner. Donc, il y aura certainement, disons, des règles ou des façons de faire qui vont être possibles. C'est-à-dire que si on fait des tournages avec peut-être 5 personnes, pas plus, voilà, on n'est pas obligé d'être 20 personnes sur un tournage. On peut aussi, voilà, parce qu'aujourd'hui, ça marche. Pourquoi? Parce qu'on est dans une période de crise, et dans une période de crise,
on accepte ce genre de bricolage, on accepte des spots qui sont juste avec un fond bleu et du texte dessus ou je ne sais trop quoi, mais on ne va pas l'accepter pendant 6 mois. Au bout de 6 mois, on en aura ras-le-bol de ce genre de pub. Et en plus, ce genre de pub, on peut larmoyante, où on met tout le monde ensemble, etc., où on dit merci à tout le monde, ça va un moment, mais à un moment donné aussi, il faut aller plus loin que de dire merci, quoi. Il faut vraiment produire quelque chose, produire de la valeur. Tu Une penses. valeur ajoutée. Voilà. Attends, on ne peut pas finir cette interview parce qu'on arrive déjà à la demi-heure sans parler des 25 ans. 25 ans pour une agence en Suisse romande, bravo. Il n'y en a pas Merci. 50 000. Alors, est-ce que cette période qu'on vit est la plus difficile des 25 ans ou non? Il y en a eu d'autres. Ben, écoutez, encore une fois, pour l'instant, je suis avec l'adrénaline, je suis encore gonflé à bloc. Donc non, ce n'est pas la plus difficile, c'est la plus spéciale. J'ai jamais vécu ça, mais j'avoue que je suis nerveux pour la suite. Je redoute vraiment le blues après ça, c'est-à-dire une fois que la tension va redescendre, une fois que le déconfinement va se faire et que ça va pas se faire vraiment comme on l'imagine. Ça va se faire tout doucement et que ça va pas correspondre à nos attentes et c'est là où ça va être difficile, je pense. Tu penses qu'il y aura des habitudes qui vont quand même perdurer? On parlait par exemple la notion de télétravail, le fait d'être en contact justement avec quelqu'un, ben voilà, un peu à l'image de ce Skype qui nous sert de live. Le collaborateur qui peut peut-être se retrouver à travailler depuis chez lui, le client qui est peut-être plus enclin à comprendre qu'on fonctionne maintenant comme ça, est-ce qu'il y a deux, trois de ces habitudes qui vont rester, ou en tout cas qui vont peut-être perdurer chez toi dans ton agence? Oui, certainement. Certainement qu'on va peut-être éviter d'avoir des voyages inutiles. Que aussi, on s'est rendu compte que, ma foi, ça fonctionnait assez bien comme ça. Aussi, et encore une fois, il y a des métiers pour lesquels, ou enfin, il y a plutôt des fonctions dans une agence pour lesquelles ça marche bien. Et on a de la chance avec un ordinateur, avec finalement assez peu de moyens à la maison, on peut travailler. Par exemple, j'ai toute mon équipe digitale qui peut vraiment travailler à la maison sans aucun problème, tout aussi bien qu'à l'agence. Si ce n'est pour les moments, je dirais, d'échange, de créativité, de rebond, qui sont vraiment difficiles avec ces systèmes Skype et pour lesquels je crois que voilà ben se réunir autour d'une table et puis de déconner un peu pour trouver une bonne idée, je crois que ça c'est irremplaçable. Merci. Sorry, c'est le e-commerce et la poste à Berne. Voilà, ça sonne. Ok. Ah donc on vient de trouver chez qui il y avait le Ça sonne. téléphone qui sonnait. Voilà, on arrive au terme de cet très très intéressant échange. Je suis très fier d'avoir pu utiliser un des effets spéciaux demain à Super Régie. Vous serez obligé d'écouter tout ça en replay. Vous allez retrouver l'émission en replay sur les bonnes plateformes, sur cominmag.ch bien évidemment, en podcast très bientôt. Je sais, j'arrête pas de le répéter, mais ça prend du temps de faire tout ça en audio directement sur le site. Vous allez rechercher à la minute, je sais pas combien, the fameux effets spéciaux. Puis on parlait ben, effectivement de marques qui doivent déstocker, qui doivent liquider. J'ai une pensée émue pour tous ces lapins de Pâques en chocolat qui sortent à 1 franc dans la plupart des magasins. Donc voilà, si vous avez envie de vous faire mal au foie, allez-y, il y en a encore plein à acheter. Merci beaucoup, Étienne. Ouais. Alors je travaille pour aucun Merci. chocolatier. Hein. Merci beaucoup à Comine aussi. C'est grâce à des médias comme vous, en fait, aussi, qu'on arrive à faire parler, à parler de la branche de la communication. Vous êtes assez irremplaçable en Suisse romande. En tout cas, bravo pour ce que vous faites. Merci. À demain. Et on se dit demain à 15 h sur la même chaîne. Portez-vous bien.